Et bonjour tout le monde. Alors, j'ai un petit peu avancé, enfin vraiment pas grand-chose, j'ai juste eu le temps de récupérer justement la personne que j'ai recrutée et que j'ai appelée par l'œil d'Odin. J'ai fabriqué également le petit campement pour le bûcheron. D'ailleurs, il récupère, je pense, pour le moment, le bois que j'avais lâché, mais je crois qu'il va quand même récupérer du bois lui-même. Il y a juste une chose qui me fait un petit peu peur, c'est que là j'ai entendu qu'il y avait des ennemis en fait qui viennent de sortir d'un village, donc je sais pas du tout où. J'ai pas encore visité. Je me suis permis d'attaquer en fait quelques PNJ qui se trouvaient par là-bas. Et évidemment, j'ai perdu quand même pas mal de vie. Je ne sais pas trop comment je peux en récupérer. Mis à part à dormir, le problème c'est que ça prend franchement un bon petit moment pour reprendre la vie au maximum. Donc là j'attends un petit peu et puis je vais voir un petit peu comment ça se passe, si vraiment je me fais envahir ou non. En ce qui concerne les constructions, là donc j'avais fait le coin de bûcheron, maintenant il va falloir que je fasse le coin de tailleur de pierre et également le coin de cueilleur. Donc bon, là j'ai franchement le temps avant parce que là, bon, il n'y a pas grand chose, mais il faut quand même faire. Je dois construire également récolte de bois, donc ça c'est désigne une zone où couper des arbres et collecter du bois utilisé par les bûcherons. Ça c'est bien. Et puis également me faire apparemment porte fragile, palissade. Petite palissade fragile, tour de guet et porte d'enclos. Donc ça, je vais voir un petit peu après comment ça va se passer également. Je pense, genre je sais pas, je vais peut-être m'installer ici, je vais laisser ce petit village du départ. Et puis je vais voir comment est-ce que je vais pouvoir fermer ça. J'aurais peut-être dû rapprocher les choses, mais enfin bon, bref, je vais faire avec. Mais je vais entourer en fait ma petite zone, histoire de me faire protéger quand même, que je sois un petit peu mieux protégé que je le suis actuellement. Là, j'attends juste vraiment de voir si vraiment je vais me faire envahir ou pas. La dernière fois, j'avais vu un petit bout de bateau par là-bas, donc je pense que je vais aller faire un tour pour récupérer. Je sais plus comment c'est, les pierres précieuses, je sais plus ce que c'était exactement, pour que je puisse appeler un deuxième villageois. Par contre, pour la nourriture, je sais pas du tout comment ça se passe parce que lui là-bas. Comment est-ce qu'on fait d'ailleurs? Voilà, c'était comme ça. Est-ce que lui. Une attaque de feu follet dans ma propre maison. Je commence à avoir faim. Ah bah voilà, comment commence à avoir faim. L'équilibre de l'emploi du temps, heure de travail, machin. Donc en fait, d'après ce que je comprends, alors le travail, ça se fait comme ça, temps libre. Et puis sommeil, donc c'est tout ça. Le temps libre, on va quand même en ajouter un petit peu. On va pas trop la faire bosser. On va faire ça. Ah, ça va, c'est que le temps. Vous serez avec les autres modifications. Et vous les appliquez, oui. On est bien d'accord que ça a été appliqué. Nous sommes bien d'accord. Donc là, il a un petit peu plus de temps de libre. Maintenant, qu'est-ce qu'il en pense? Je sais pas. On va peut-être encore attendre un petit moment. On va voir un peu comment ça se passe. Sans de structure, sans défense, aucun bâtiment de protection alimentaire dans le village. Construisez les bâtiments de protection alimentaire pour éviter la famine. Puis la structure, plus 32 pour l'abri. Par contre, ça a été usé. Pourquoi je ne sais pas. Ça, c'est un moins 10. Pourquoi je ne sais pas encore. Stock de bois, là pour le moment j'en ai 7 comme ça. Des bâtons. Et de l'écorce. Par contre, ce serait pas mal que tu récupères quand même du bois. Il me semble que tu en avais ramené. Alors, j'ai pas dû comprendre. Ah non, c'est ça. Bâton, oui, voilà, c'est ça. Ok. Donc, j'en ai un petit peu. Je vais pouvoir en tout cas me construire certaines petites choses en plus qui travaillent. À deux, déjà, c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais là, il va un petit peu partout. J'ai l'impression qu'il va récupérer quand même du bois. Un petit peu tout ce qui se trouve au sol. Bon, écoutez, c'est toujours ça de gagner. Il a dû ramener également mes bâtons longs que j'ai moi-même récupérés. Bon, les jeunes, je commence à en avoir marre. Et puis, on va aller attaquer, enfin, pas attaquer, mais voir en fait ce qu'on peut y trouver par là-bas. Je suis quasiment sûr d'avoir vu un bateau en fait. Hein. Alors, j'ai peut-être confondu avec. Non, mais il me semble que c'était un bateau, j'ai vu ça par là-bas.
là il y a de la bouffe. Par contre de la flotte, j'aurais peut-être dû regarder. Bon là il y a de l'ennemi, on va se les faire. Ah oui, j'ai oublié de te regarder un truc. Il m'a repéré je pense, c'est pas grave. Bon eux ils se pètent quand même assez facilement. Tout très facilement. Je récupère en plus un peu de fibre, un peu de bois, du bâton. Je voulais juste voir en fait comment fallait faire leurs paramètres. Paramètres du clavier de la souris. Pour se protéger, armes et compétences, attaque légère, attaque violente. Lâcher, bloquer avec Q, d'accord, ok. Voilà, c'est comme ça, je savais pas comment utiliser bouclier encore. Alors contre eux, franchement, ça le fait, c'est pas un problème du tout. Juste pour être sûr. Ah, du poisson là-bas, je crois que je vais pouvoir d'ailleurs pêcher. Alors la pêche, généralement dans les jeux, c'est une partie qui m'ennuie, mais alors gravement. Non, je crois que j'ai dû halluciner, ce n'est pas du... Bon, c'est pas grave, on va essayer cela. Bon, maintenant, ils étaient 3 sur moi, donc c'était peut-être pas possible. C'est vrai, il va vraiment falloir aussi que je me fasse un couteau. Alors, l'autre est en train d'arriver. Il arrive, j'ai quand même allé me le faire. C'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Hein. J'ai juste envie. Ah bah voilà, il est là-bas le bateau. J'ai bien vu, donc j'ai pas halluciné la dernière fois. Tout est bon. Couteau en pierre. Ok, il va me falloir de la pierre. Lame de pierre, 2 sur 1 j'en ai, ça c'est bon. Et de la corde. Est-ce que j'ai suffisamment. J'en ai largement assez. Ok, on va vite se faire un couteau. Par contre, pour couteau, non, c'est pas table, c'est I et le I, le couteau, il est là, et puis j'ai remplacé par les baies pour le moment. Attends, toi, je vais juste te buter. Il m'a touché quand même. Ok, donc 3. Je sais pas du tout ce que je récolte encore. Oula, 59, 53, 170. Bon, bah voilà, en tout cas, j'ai de quoi récolter. Et je sais pas avant de partir parce que j'avais quand même essayé d'éliminer les spectres, les passages, ok. Qu'est-ce que je récupère? J'ai l'impression d'avoir rien récupéré. Si vous voulez mon avis, ce n'est pas juste une impression, hein. Je n'ai rien récupéré du tout, ça c'est bien de la résine. Ok, oula. Est-ce que ça repop? Je suis pas certain. On va ça faire comme ça. On sait vraiment si c'est les blocs d'un coup. Et après, apparemment, il ne me retouche plus. Donc, par contre, ouais, là, mon... enfin, pas mon outil, mais. C'est pas ce qu'on fait. Ah non, mais prends le couteau. C'est quoi ce truc avec cette barre là? Ça me paraît intéressant, on va voir. Après. Non, on est bien d'accord, je récupère que dalle. Ok. Bon, bah, je vais pas. On va rapprocher. On va juste voir. La lune de sang. Se lève, ça c'est quoi? Je sais pas. Ah oui, puis j'ai complètement oublié. Bon, je sais pas ce que c'est, mais il y a peut-être quelque chose en fait à récupérer là-dessous. Hein. J'irai voir ça un autre moment. Là, je vais juste récupérer, voir s'il y a quelque chose à récupérer, mais apparemment il n'y a rien. Je pensais. Je vais juste retourner quand même à ma base parce que ça m'inquiète un petit peu cette histoire. Et puis il va falloir également que je récupère ça. Et ça.
si je me fais attaquer, bah, je vais être un petit peu dans la mouise puisqu'il ne me reste plus grand-chose. Là, en durabilité, en tout cas avec mon arme, là, c'est quasiment foutu, mais j'aimerais bien voir également comment ça se passe pour la réparation, si bien sûr... Ah oui, je me fais attaquer là! Oula! C'est violent celui-là. Non, je pensais pas que je me ferais attaquer aussi rapidement. Apparemment, c'est le cas. The Blue Moon Fade. Ok. Toi, t'as perdu un petit peu de vie. Ok, très bien. Le couteau, je vois pas du tout à quoi il me sert si je peux rien récupérer. Pourtant, on peut se marquer récolte. Mais récolte est quoi? Bon, vous me direz au moins. De la nourriture à varier. Ben non, pas de graines, non. Aucune idée. Bon, au moins, mon marteau, il a tenu, tant mieux. Ah, mais attends, il est pas fini, celui-là. Mais là, je récupère rien, on est bien d'accord. Là, je vois rien. Ah, mais je suis bête. En fait, il lâche des trucs. Ben oui. Ok, bah c'est parti, on y va. Je pense que je vais me faire les autres aussi, que j'ai éliminés avant. Comme ça, je vais sûrement pouvoir me récupérer un autre villageois. Ah, voilà, ok, des os. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Je sais que j'en ai besoin pour un certain craft aussi. Je sais plus exactement lequel. Oui, une écharpe, tu te fais toujours écharder, toi. Elle est incroyable, celle-là. Ah oui, mais peut-être que dans les hautes herbes, en fait, on va dire, là-bas, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais là, c'est pas grave, juste y retourner. Puis je vais voir quand même après pour me faire, parce que là, j'en ai combien? Là, j'en ai deux, il m'en faut cinq en tout. Je sais plus si j'en ai posé un. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il me reste les autres... Tac, 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 c'était vers un bateau, de toute façon, bah, ils sont là déjà. Et en plus, il y en a 3, c'est nickel. Là, je vais pouvoir récupérer de belles choses, en tout cas, je l'espère. C'était pas terminé. Mais voilà, là, je vois pas grand chose. Là, faut vraiment y aller un peu. C'est bon, hein. C'est pas arrivé, peut-être que je devine un petit peu, effectivement. Par contre, il n'y a pas ce que je veux là, c'est vrai que j'aimerais bien récupérer absolument des diamants là, ou je sais plus ce que c'est, je vais regarder quand même la prochaine fois que je récupère. Ah bah non, mais j'en ai sur moi, je suis bête. On voit mieux déjà. Bon, des os c'est bien gentil, mais j'aimerais bien récupérer autre chose, principalement. J'ai peut-être eu de la chance avant. Et toujours pas. Ok, bon. Ça m'a rien perdu, hein. Je pense que je peux me permettre de récupérer aussi un petit peu de pierre. Par contre, mais j'ai toujours pas vu. Il va falloir que j'aille boire quelque chose. Que je récupère aussi un petit peu de bois, de bâton. On est comment question inventaire? Niveau inventaire, là on est full. C'est tout. Non, il y a quelque chose ici. Et bah ouais, il y en a encore deux là. Là j'ai tous ces DPC, les DPC. Hein. Pas m'emmerder. Allez, aujourd'hui la vidéo sera. Peut-être un petit peu plus courte, tout dépend de ce qui va se passer. Non, mais c'est bon quoi, les gars, donnez-moi quelque chose d'intéressant. Ah oui, puis il y a ça, j'aimerais bien détruire également. Bah tiens, je vais utiliser mon arme là-dessus et voir
si il est vraiment foutu, si on a besoin de préparer, enfin de réparer, ou s'il y a quelque chose de spécial à faire. Je vais vite récupérer peut-être celui-là, mais là apparemment j'ai déjà. Il y a déjà des os au sol. Mais on peut y aller vite, ok. Allez, on continue avec celui-là. Voilà, je l'ai cassé. Donc maintenant, comment ça marche? Ça marche que j'ai plus rien. Ok. bon, bah ok, ouais, non, y a pas de soucis, hein. De toute façon, faut refaire, alors. J'ai ce qu'il faut. Est-ce que j'ai. Ah ouais, mais j'ai un arc court aussi, plus des flèches. Bah, je vais juste me refaire ça de toute façon. Puis je vais me faire un arc. Un arc, il me manque une corde. Et après, il va me falloir également du bois. Attendez, là, faut que je. Ah oui. Non, mais je reviens, je reviens, je reviens. Il faut que j'aille boire là, ça devient rouge. C'est pas bon signe. Là, je vois le point, puis c'est vrai qu'il faudra que j'utilise quand même un petit peu plus souvent la boussole que j'ai sur le haut. J'ai pas l'habitude là pour le moment d'utiliser ça. C'est vrai que généralement, quand j'ai une minimap, je regarde. Ben, nous pouvons également. Ah, peut-être là. Faudrait que j'aille voir vite fait. Attendez, déjà, on va voir si il y a quelque chose. Calme-toi, bois pas tout non plus. On va juste manger également un petit peu. Voilà. Ce serait pas mal de se reposer, hein, quand même. Bon, bah non. Ah, mais attendez. Il me fallait de toute façon de la corde. Je vais m'en faire 2, 3. Et j'avais dit que je voulais me crafter un arc. Et après, il va me falloir du bois. Non. Réserve de bâton, prendre. On va déjà essayer avec ça. Et puis, du coup, les flèches en bois. Ça me donne combien? Plus 10. Bah écoute, c'est déjà pas mal. On va voir déjà si ça fonctionne. Comment est-ce que ça marche? Ok, bah c'est très bien. Bon, de toute façon, il ne m'en reste plus que 9. Moi, ce que je propose, c'est de partir un petit peu à l'aventure et puis voir un petit peu ce qu'on a aux alentours. Parce que oui, il faut que j'avance. De toute façon, il faut que je construise. Mais voilà, bah, j'aime pas faire tout le temps la même chose. J'aimerais beaucoup explorer. Alors, attendez, il va quand même prendre un champignon là. Allez, c'est vrai qu'il va faire comme ça. Je n'ai récupéré qu'un, génial. C'est juste des champignons, les gars. Ah, mais ça m'énerve parce que. Ah, oui, d'accord, c'est deux fois shift qui pour faire la roulade. D'accord. Merci en tout cas pour l'information. Et puis, on est où? Mais là, c'est vrai qu'on a encore un petit peu à faire. La carte. Elle est si petite que ça. Si c'est. Non, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Parce que s'il y a que ça, je sais pas pourquoi, mais ça sent l'arnaque, hein. Non, non, il faut que la map elle soit quand même plus grande que ça. Du type Valheim, mais c'est ce jeu où j'avais vu que la map normalement serait considérée comme la taille de la Terre, je sais plus. Non, je crois que j'ai regardé tellement de jeux en ce moment que ça c'est pas bon ça. Les loups, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça pas bon du tout. Mais quand je dis pas bon du tout, bon c'est surtout. En plus il y en a un qui est blanc avec des yeux rouges. Alors toi. Ouais, c'est pas bon, c'est pas ce qu'il me semblait. Non, je me suis. Tombe, tombe, tombe. Merci.
récupère avec le loup. Par contre, là, je peux pas continuer à combattre. Bon, bah, ma foi, va falloir que j'aille me reposer, hein. Le problème, c'est que ça dure tellement longtemps, je trouve. En plus, il a 250. Et en plus, je saigne. Ah ouais, mais 250, bah dis donc, va falloir dépecer quand même un petit moment là. Il va même falloir que je me crafte un autre si ça se trouve. Allez, quatrième jour de survie, tout va bien. Pas pour longtemps. Il est où le clou? Il arrive, il arrive. C'est bon, c'est bon. On récupère de chute de cuir et morceaux de viande. Mais j'ai pas... ah oui, dis donc, la viande. Est-ce qu'on peut faire à manger avec ça? C'est de la sacrée bouffe quand même, hein? Bon, alors faut pas que j'aille trop loin. Mais j'ai peur que la map ne fasse que ça, hein. Moi, ça m'étonnerait quand même un petit peu. Ça me paraît vraiment très 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 petit. Alors il est possible également que de toute manière, vu que c'est en early access, que ça va être en construction. Apparemment, ça va pas progresser ici. J'aurais pas cru, mais bon, si c'est le cas, bah écoutez, tant pis, hein, on va faire avec. Mais là, aïe 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 aïe, en tout cas, je vais pas pouvoir me reposer parce que la vidéo elle va durer encore un petit moment. Et puis, c'est vrai que pour le montage, malheureusement, je joue vraiment sur mon petit temps de libre actuellement. Là, je suis en phase pour l'instant, où j'ai vraiment très peu de temps de libre, excusez-moi. Allez, 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 allez. Mais bon, je ramène de la viande, tout ça c'est bien, mais bon, ça va pas me servir à grand-chose, évidemment, si je peux pas faire, si je peux rien faire. Donc ça déjà, on va balancer ici. Je pense que de toute manière, ça va pourrir. Ici, donc maintenant, j'en ai trois. Il va m'en falloir encore deux. Ça, de toute façon, ça va lâcher. Ici, ça c'est quoi? Ah, mais c'est la récolte de bois, blablabla. Et toi, t'es où? T'es là-bas. L'autre est en train de dormir, je pense. Ou s'il se repose, il fout rien. Blou-blou, ça c'est bien, tu peux boire, mais par contre, c'est vrai que tu bouffes rien du tout, toi. Normalement, ici, ouais, la bouffe, il faut de la bouffe, absolument. Je sais pas, est-ce qu'on peut ajouter des combustibles? Je vais juste essayer pour voir. Un petit peu, je fais ça. Si j'allume et puis je prends la viande, est-ce que non, il me faudrait un barbecue. Ok, on va construire ça et puis on va voir en fait si j'achète ça. Après, peut-être que ça peut me donner de la vie, justement. Donc voilà. Et il me faut, si je m'écus, il me faut 8 bâtons de corde. De la corde, on va déjà les faire. J'ai posé directement. Normalement, j'ai assez, c'est bien ça. J'aurais peut-être dû m'en faire 5. D'un coup, mais c'est pas grave. Non, c'était tout ça que je voulais. Et 8 bâtons. C'est pas mal foutu en fait un truc. J'aime bien la construction. Et puis, au pire, j'ai encore une autre viande à faire. C'est pour les petits aliments. Un abri qui protège votre feu des intempéries. Ça peut être sympa également. Mais j'aimerais bien savoir. Ouais, non, mais c'est quoi ça? Barbecue, ok. Un seul complément barbecue est autorisé. D'accord. Ça, c'est pour supprimer de toute façon. Mais bon, on dit. Ah, mais attends, peut-être que.
Ah, récolte, mais oui! Je suis bête. Je pensais que c'était la viande en elle-même, là. Genre, vous savez, comme au kebab, là. Allez, hop, moi, je vais mettre ça. Voilà, donc maintenant. Toujours pas, hein? Je viens de récupérer de la viande, elle est où? Viande crue, d'accord, mais c'est quoi alors cette histoire-là? Cuisiner. Ah oui, non, mais d'accord, oui, d'accord, je comprends mieux. Voilà. Et si je fais ça? Ah oui, d'accord, donc ça cuit en gros, d'accord. Là, on voit que ça cuit. On va voir après ce que ça donne. Mais ça va me changer un petit peu des baies, des champignons, etc. Hein, et puis des huîtres que je récupère. Je crois qu'on peut mettre comme ça. Il n'y a pas de recette spéciale, en tout cas pas pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai bouffé. Un champignon magique. Merde, j'aurais pas dû bouffer ça. Maintenant, j'hallucine. Ah non, ah bah non. Attends, voyez-moi. C'est bon, la viande elle est cuite, celle-là en tout cas, on va voir comment ça fait. Ok. Merci. Du coup, je n'allais pas ici. Donc on va aller là. Vous avez mangé un steak juteux, force augmentée. Mais je n'ai pas plus de vie, hein, donc voilà, je peux pas faire grand-chose. Bah écoutez, moi il me reste plus qu'à dormir. J'ai franchement pas chaud. Il faut que je récupère de la vie et je sais pas du tout encore comment est-ce qu'il faut procéder pour que ça aille un petit peu plus vite. Il devrait y avoir des soins, je pense, mais pour ça il va falloir que je continue à avancer. Je pense que je n'ai pas trop le choix. Bien, nous verrons tout ça. Mais va falloir que j'avance. De toute façon, j'ai un petit peu tout ce qu'il faut, hein, d'ailleurs, pour les autres constructions de base. Donc, production de base, oui, effectivement. Pourquoi coin tailleur de pierre, il n'y a plus là? Avant, j'avais. Tout ça, c'est bon, je devrais avoir. Il y a juste les cordes que je vais devoir me faire. Mes coins du cueilleur, pourquoi pas. Puis il va falloir que je fasse ça également après. Et ce qu'il m'a demandé après, c'est également de me faire ça. Un portail de fortune représente plus d'une formalité. Plus d'une formalité qu'un véritable barrage, ouais. Ne contribue pas au score de défense du village. Mais en fait, je crois que c'est ce qu'il y a de nouveau, en fait. C'est pour ça que ça me... D'accord, hein, je crois que c'est ça. À tour de guet, fibre, textile, machin, ok. Bon, ça va. Là, je pense quand même que la priorité, c'est de me récupérer un deuxième villageois, au moins qu'ils puissent travailler tous les deux à peu près correctement. Il va falloir également que j'aille voir. Hein, c'était là. Là. Ça, j'aurais bien ne plus afficher, ça m'énerve, mais j'en ai besoin pour le reste puisque je ne connais absolument pas le jeu. Donc, c'est moins heures de travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apparemment, je pense qu'il veut bosser comme ça, genre 8 heures. Qu'est-ce que tu en penses, toi, dis-moi? On va attendre encore pour le lendemain, je pense que ce sera en tout cas un petit moment. Voir s'il y a des changements. 16h04. Tiens, juste pour voir une chose. Donc à 18h, il arrête. Je pense que c'est ça. Ou il travaille jusqu'à 18h, puis à 19h, il arrête. Ou 18h30. Je sais pas encore. Mais il reste encore 2 heures pour savoir tout ça. Mais regardez-moi ça, le nombre quand même de temps qu'il faut pour que je puisse récupérer ma vie. Je trouve ça quand même incroyable. Je crois que c'est la première partie que
Oui, enfin le temps de sommeil ne soit pas compté comme un, je sais pas, comme une avancée dans la journée ou quoi. Je trouve ça un petit peu dommage. Ah oui, puis c'est vrai que j'ai l'arc, je pourrais essayer d'éliminer d'ailleurs est-ce qu'ils sont encore proches ou pas. Il y en a un qui est là-bas en haut. J'ai peut-être essayé quand même de m'en faire un là. Ou alors je continue la balade, bah voilà, bah par là-bas. Mais Dieu sait ce qu'on va y trouver encore. Parce que si on voit des trucs pas possibles, déjà je trouve que les loups là, je fais pas vraiment d'effort. Ah oui, bon, bah voilà. Laisse tomber. Je peux annuler un petit avec les droits. Ça, c'est toujours bon à savoir. Allez, on va fouiller encore un petit peu. Il y a de la grosse roche, dis donc, par là-bas. Ah, là-bas, il y a quelque chose. Quoi exactement, je ne sais pas, mais on va tout de suite aller voir ça. Et j'aimerais bien savoir également d'où les ennemis sont apparus. Rien de spécial au final. Mais si le jeu il fonctionne juste sur cette map et puis que je dois gérer toutes les attaques à chaque fois, je pense que ça va vite me blaser, hein. Moi je voyais vraiment un monde ouvert, un vrai monde ouvert et grand d'ailleurs. Mais apparemment c'est pas tout le cas, hein. Ouais, bah écoutez, pour le moment il n'y a rien. On est à combien de temps? 32 minutes. Je pense que moi je vais m'arrêter là quand même. Il n'y a rien à voir. Il faut vraiment que je comprenne un petit peu plus de la partie. Et surtout que quand je regarde la map, là ça me fait un petit peu peur parce que je suis sûr qu'ils sont capables de faire que ce type de choses. C'est-à-dire de faire qu'une map et puis de recevoir des ennemis qui partent d'une ville, etc. C'est pour cette raison d'ailleurs que je suppose que j'ai eu une attaque tout à l'heure. Mais comment? Ouais, c'est là, j'ai découvert pas grand-chose. De toute façon, les ressources ne sont apparemment pas indiquées sur la carte. Ouais, peut-être d'aller pour la forêt, mais ça s'arrête là. En plus, il commence à faire nuit, donc voilà. Et oui, effectivement, on ne voit pas grand-chose hein, sur le truc. Raison encore supplémentaire pour que j'arrête là cette partie, en tout cas pour aujourd'hui. Et puis je vais voir si je vais continuer. En tout cas pour le moment, bon, le jeu me dégoûte pas, mais je sais pas, j'ai un petit peu de l'inquiétude. Donc voilà. Allez, je vais m'arrêter là en tout cas pour aujourd'hui. J'ai pas foutu grand-chose, mais bon, moi j'ai un peu testé tous les ennemis et à peu près compris comment récupérer des 100 de jetons, de jetons, de jetons, de jetons. Ok. Et puis, bah écoutez, on verra bien en tout cas pour la prochaine fois. Mais moi, je m'arrête ici, comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.